Salut! À tous et à toutes, bande de gens, et nous sommes de retour sur The Binding of Isaac, Repentance, et sans plus tarder, nous allons continuer notre aventure avec ce fichier tout à fait magnifique et vide, enfin presque vide. On l'a commencé la dernière fois, et on va commencer en beauté avec un daily run aujourd'hui avec Kane. C'est parti! Parce que oui, maintenant je commence avec les daily runs. Oula, le métronome. On doit aller jusqu'à Mamzart. Et c'est pas un hard mode, je crois. Ouais, c'est pas du hard mode. Alors, le métronome. Le métronome, ça fait quoi? Ça donne un effet d'objet passif quand tu l'actives. D'objet passif au hasard. Genre là, j'ai le wafer. Donc je vais pas prendre double dégâts, mais ça sert à rien, vu qu'il n'y a pas de champion dans cette salle. Ça peut être bien dans certains cas. Dans la plupart des cas même, vu que c'est un objet passif temporaire. Donc le métronome, certains disent que c'est de la merde, moi perso, je trouve ça bien, plus ou moins, c'est quoi ça? Keeper's Bargain, Money Talks. Je sais pas ce que c'est, mais je préfère quand même mon paper. Ah voilà, ça c'est un tears up et un shot speed up. Et ces petits araignées sont absolument horribles, j'ai pas. Ah, en plus ils prennent deux coups à quoi. Prennent deux coups à mourir. C'était sharp. Ah, ça imitait les objets actifs. Ça, je savais pas. Je sais pas si c'est une nouvelle fonctionnalité de repentance ou si c'était déjà là sur Afterbirth Plus. Ah. Voilà. Ah non, je me grattais le nez. Je crois que je l'avais stunlock. Bon, c'est pas grave. Crack Jax. Ouais, c'est quoi ça? Modeling Clay. Je préfère quand même mon paper. Paper clip, c'est incroyablement pratique. Alors, ici on a un shop normal. On n'a pas assez d'argent malheureusement pour tenir quoi que ce soit ici. Donc, ouais. Il y a des cœurs sur cet étage, donc je suppose que je pourrais aller dans le Curse Room. Ouh. Non, bah voilà. Bah voilà. Ah putain. C'est pour ça que je me suis éloigné. Je me suis éloigné un tout petit peu, mais j'ai mal géré le posage des bombes. Bon, c'est pas grave. On va continuer avec Paper. Oh, non, ça touche à mes charges. Non, on va te faire foutre. Oh, il a volé ma charge. Rocket in the Jar, par contre, ça, c'est pas mal. Si on lance une missile, on pose une bombe. Ça, c'était dans Anti-Birth. Et, oh, c'est plutôt cool, ouais. Je devrais montrer ça, genre là. Très mauvaise utilisation, je me suis un peu gouré là. Comme ça. Voilà, comme ça. C'est ça que j'ai voulu faire.
Bon, j'ai perdu mon Devil Deal. C'est pas... Ouh, The Goza. Un caillou qui donne de l'argent. Merveilleux. Je suppose qu'il faut le débloquer parce que jusque là... j'ai pas... Je l'ai pas... Je l'ai pas vu. Si, super. J'ai quoi là? J'ai pas. Je crois que bah, ça va donner plein de vie, ça c'est sûr. Super utilisation du bombe. Tac. Voilà. Blot, blot. J'ai vu un truc dans les options. Ah oui, c'est ça, ouais. Moi, j'aime bien mini. Ouh, ça c'est une carte de Magic, ça. Et ça c'est quoi ce truc? Soul of Eve. Wouah! C'est trop bien. C'est trop bien, putain. Et ça... Si je le garde pour le prochain étage... Ouais, non. Ah, ça a changé, ça. Avant, c'était Soul Art. Je n'ai pas de bombe normale, ça je dois m'en souvenir. Et j'ai un Two of Clubs, faut pas que j'oublie ça. Alors Two of Clubs. Voilà. Ça c'est mieux. Et au passage je vais prendre ce truc. Huge Growth. Ah c'est Huge Growth. Ouais il a un nouveau. C'est juste le nouveau l'arrière de la carte. Le dos de la carte. Et on dirait que j'ai un health up permanent là du métronome. Ça, ça a rien donné parce que bah, ça a même pas droppé de pile. Non, je pense que je vais garder ça. Voilà. Ouais, on peut y aller. Drag Mega. Fuck. Oh putain. Allez. Non mais... allez. Ah. Allez, on peut mourir maintenant. C'est... Il est temps.
Voilà. Je prends ça. Et bah Deathless, ça peut me donner des stats up. Allez. Ouais. Mais c'est quoi ce bordel? Il tire beaucoup trop rapidement. Voilà. Non, je préfère ça. Non. Je ne vais pas tuer le mauvais ennemi. Non, bah voilà. Je l'ai tué.
Non. Ok. Alors, d'accord. Les missiles. Si tu fais manger des missiles à Chubb, le jeu crash. C'est noté. Ouais. Et ouais. Bon bah, pas de Daily Run pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Car oui, cette vidéo est une vidéo bonus. C'est le Daily Run, hein. J'en ferai que genre 7, parce qu'il n'y en a que 7 qui sont requis pour débloquer les deux achievements. Et bah voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, j'ai enregistré un vrai épisode juste après, hein, mais c'est tout pour cette vidéo-ci. Likez si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!